Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo classe, très très bien. Aujourd'hui nous allons faire des beauty hacks. Si tu ne sais pas ce que c'est un hack, je vais t'expliquer. Un hack tout simplement c'est tendance, notamment sur TikTok, TikTok hack, et sur YouTube. Et en fait des hacks c'est des petites astuces souvent rigolotes, ouais, elles sont très utiles. Astuces de beauté. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va tester des astuces que j'ai trouvées sur YouTube. L'air plutôt pas mal, j'avais envie de les tester pour voir si ça marche et au moins vous donner mon avis. Et voir si ça marche ou pas, c'est fake ou si c'est réel. Voilà, à chaque fois on va dire fake ou réel. Donc on va commencer par la première astuce. Donc voilà, tu viens de voir ce hack. Alors ce premier hack, on va avoir besoin de cette brosse qui est très très sale, mais vous allez voir. Et d'un petit papier comme ça. C'est un papier, vos parents ont un Swiffer. En gros, c'est pour aspirer la poussière, enfin, pour que la poussière se colle. Vous le savez, les filles, alors là, c'est nous les brosses. Je vous montre, hein, regardez, c'est vraiment réel. Voilà, il y a plein de cheveux et à chaque fois, on est obligé de les enlever, comme ceci. Je vais aller les jeter à la poubelle. Et là, j'ai trouvé une astuce, comme vous venez le voir, on va la tester. Normalement, on n'a pas besoin d'enlever à chaque fois, on a juste besoin d'enlever le petit papier. Regardez, j'ai essayé de faire passer tous les picots à travers le papier. On va essayer de brosser longtemps, longtemps, longtemps. Ah, déjà, il y a des cheveux. Il y a des petits cheveux et enlever le papier et... Ah ouais, ça marche, regardez. Et bingo. Ah ouais, mais c'est super pratique du coup. Et à force d'avoir brossé tous mes cheveux, ils sont devenus brillants, hein. C'est sûr que c'est super pratique. On passe au deuxième acte. De voir la vidéo, je pense que vous connaissez ce hack, mais j'avais envie de le tester. Vous savez que je l'ai jamais testé. Ça a l'air trop drôle. Les bulles vivent, c'est la soirée mousse. Regardez, on a un petit gant, on va vaporiser le gant. Ah, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut. J'ai fait n'importe quoi. Démêlant qu'il fallait, hein, parce que j'étais en train de vaporiser le gant avec du démêlant, mais c'est de la solution. D'ailleurs, c'est la solution de chez Action qui est très bien notée sur Yuka. Trop bon, elle est à la rose. Voilà, bon, on va mettre un peu de solution sur le gant. Non mais cette tendance, c'est pas avec un gant, ça marche pas, c'est avec du coton. Plan B, vous savez qu'il y en a toujours un plan B. On va tester avec du coton. On va récupérer la mousse. Ce qu'on va faire, on va la mettre sur le visage. Oh, c'est trop satisfaisant. Mais on va s'en servir de solution. Ça marche. Bon, je sais pas si c'est la solution. Il y a un peu de mousse, mais il y en a pas beaucoup. Écoutez, ça suffit de toute façon. Valide ce hack, le deuxième hack est real. Je valide. Et que pour l'instant, les hacks sont validés. J'espère que ça va être ça tout le long en tout cas. Ce troisième hack, j'ai envie de le tester parce qu'il est drôle et je voulais voir si ça marche. Mais c'est rigolo. Vous avez besoin d'un verre ou d'un truc comme ça. Et en gros, ben, on va aspirer. Et nos lèvres, ben, ça va faire un peu étrange. On va tester. J'ai peur, arrêtez. Je veux pas tester ce genre de truc. Oh, est-ce que vous êtes prêts? Oh, arrêtez, j'ai peur. Imaginez ma bouche. Imaginez ma bouche, elle reste coincée. Il faut aspirer. Mais ça... Mais en fait ça marche pendant 2 secondes, mais regardez. On dirait que je revois les lèvres. C'est trop rigolo, attendez. Je sais pas si vous voyez une différence. Ah, après ça part. Oh non, mais c'est trop drôle, arrêtez, je vais faire ça toute la soirée. Ah, avoir des lèvres pulpeuses sans passer par la chirurgie esthétique. Suivez les conseils d'Hélène. Non mais pour ce hack, ça reste pas. Mais c'est drôle. Oh non, mais arrêtez. C'est resté. Ensuite, on va s'attaquer plutôt aux cheveux. Ça y est, on a fait un peu le visage, les cheveux, etc. On va faire les cheveux. Et vous, je sais pas si vous vous rappelez, mais dites-moi en commentaire si vous avez fait un commentaire. Je n'ai plus les commentaires, mais dites-moi dans l'onglet communauté ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous le mets ici, et sur TikTok aussi. N'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si vous aimez en tout cas les hacks pour les chevelés. Les hair hack. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je te la mets dans l'onglet I à droite. Elle était super, elle avait super. Et on va en faire quelques-uns. J'en ai trouvé deux. Notamment, ils ont l'air dangereux. On va commencer par celui qui est dangereux. Nous allons avoir besoin d'un aspirateur. Je vous laisse regarder la vidéo. Dire que j'ai pas trop envie de le faire, j'ai pas envie de risquer ma chevelure, quoi. J'ai pas envie de risquer de perdre ma chevelure, mais nous allons ici. Je suis présente pour le faire, pour risquer ma vie pour vous. Au moins, je me sacrifice. Voilà, je suis un cobaye, je me sacrifice avant que vous le testiez. Voilà, donc ben
On va brancher la spi. La bête est présente. Oh là là, affaire en présence d'un adulte. Hein. Je vais vraiment le mouiller. Arrêtez autant ça marche. Si ça marche. Ah, par contre, si ça marche, je suis trop contente. C'est parti. Attention à vos oreilles, si vous avez des écouteurs, je vous invite à baisser le volume. J'ai peur. Ça marche pas. Maman, Mickey, regardez. Ça marchait dans la. Ah c'est bon. Tu l'as mal. Arrête. Non. Est-ce qu'on s'y prend mal? Non mais maman, ça me pas. Bouge pas. Attends. Arrête. Ah si, ça fait un peu honte. Bouge pas. Je te vois là-bas. Il faut savoir que je m'en doutais entièrement. Parce que déjà un aspirateur ça a pas la chaleur. On passe au prochain hack qui vous suffit. Déjà mais je vous laisse regarder la vidéo. Devant la vidéo, donc il vous faut un gobelet. Donc, moi j'ai pris un gobelet Starbucks. Prenez un gobelet en plastique, etc. On va tester. Écoutez, je crois que ça fait gonfler. J'ai fait l'astuce là. Bon, voilà, vous faites comme Aladdin et en fait, on va tourner autour du gobelet sans faire un chignon. Ouais, mais bon, je sais pas si ça va marcher. Mais déjà, on va prendre la brosse. Il y a même si Mercus qui vient m'aider parce que c'est un peu compliqué de faire ça seul. Faut que tu tournes autour du gobelet. En fait, ça va faire un chignon. Non, c'est pour faire des boucles, Germaine. Ah, mince. J'avais complètement oublié. Je pensais que c'était le chignon. En fait, le chignon, c'est tout à l'heure. Mais tu mets les cheveux comme ça, il faut bien faire le tour avant de commencer. Tiens-moi le gobelet, je le fais. Ça semble la jasmine. Non, c'est bon, vas-y, je tiens vite. Fermez les yeux. Oula! Excuse-moi. C'est bon, me voir. Vas-y. Ça y est, trois pétoules. Ah, arrête! Non. L'arnaque de cette vidéo. Ah si, ça commence à onduler, regarde. En fait, ça fait des mini-ondulations, mais bon, c'est plus pratique de faire au lisseur. Assistante lisseur. Ah, il fait des erreurs supplémentaires, moi. Allez. Alors, tu te rappelles? Je m'en rappelle. Bon, vas-y, donnez-moi le lisseur. En fait, on va faire... Bon, venez de voir la vidéo. C'est parti, on va tester. Sérieuse? Je dirais de plier une feuille. Vas-y, j'essaie de te le faire. Par hasard, elle va y arriver, même si Mercus. On dirait les gaufres de l'ancien temps. C'est pas les gaufres de l'ancien temps, on dirait du papier. On dirait du papier froissé. Je valide pas ça. Attends. Heureusement que je le teste pour vous. Non, on dirait un papier froissé. Bon, maintenant, on va faire la frange. En gros, on va prendre les cheveux de devant. Non mais parce que là, non c'est à plat, mais est-ce que vous me voyez? Ancienne Marie-Antoinette. Non mais parce que là j'ai fait ça, mais est-ce que vous me voyez avec lui? Non, ça tirait pas. Ah ouais? Non, pas du tout. Et les franges comme ça? Non, c'est bon, arrêtez. Alors vous prenez du coup, comme si c'était votre frange, c'est très vos mots. Pas ça? Essai numéro 2, j'ai essayé un peu plus haut. Bon, il y a encore du papier froissé. On va voir. En fait ça marche pas sur moi parce qu'en fait moi j'ai pas des mèches là sur les... En fait ça marche pour ceux qui ont des petites mèches. Regardez l'état de mes cheveux, c'est totalement moche. Donc on va passer au dernier hack, en tout cas, j'ai parlé un peu trop vite au début en disant qu'il y a beaucoup de hacks réussis. En tout cas les hacks des cheveux, ils sont tous fake pratiquement, mais il y a un dernier que je vous ai concocté. Rigolez entre vous, hein, vous allez pas sortir comme ça, rassurez-moi, il vous faut. Oui, vous avez bien vu, c'est un rouleau de papier toilette. Comment vous dire que je compte pas sortir, mais t'imagines, il se décroche dans la rue, comme ça, il tombe derrière toi. Tout ça parce que t'as pas de donuts ou les trucs exprès. Sinon acheter les trucs exprès et donuts. Bon, bon j'ai fait la queue de cheval. Maintenant pour le rentrer je vais faire comme ça. Ce sera plus facile. Et aller petit à petit. J'ai réussi à le rentrer les amis. J'ai assez de... Mais j'ai pas assez de cheveux là. Ah si. Arrêtez,
je crois que ce hack va devenir vrai. Non, je suis désolée, tu sors pas dans la rue comme ça, ça fait trop bizarre, ça se voit qu'il y a quelque chose dessous. Vous savez ce qu'il y a dessous mon chapeau? Un rouleau de PQ, au cas où si j'ai envie de faire caca. Tu sais, on dirait les chignons de quoi? Les Alsaciennes, là. Non, même pas. De quoi? Marie-Antoinette. Tu rajoutes des fleurs dedans. Je valide. Juste, je valide le hack parce que ben, c'est possible. On peut faire un chignon avec un papier toilette. Mais sortir dans la rue comme ça, c'est pas possible. Ah, c'est trop bizarre, regarde. Après, ça fait un énorme chignon. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalée à la faire. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on refasse des hacks. En tout cas, moi, j'adore tester les hacks sur les cheveux. Sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, n'hésitez pas à m'abonner. Et sur l'essentiel, si tu n'as pas ces réseaux sociaux, si tu es présent ici, si tu as YouTube, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner pour me soutenir. Bye bye, team étoile.